Titlul comunicării domnului Nicolau este Procédure et approche traductologique dans la traduction en français de Cinq ans poésie de Mihai Eminescu par Sandrine Lup et Tudor Mirică. E foarte mic scrisul și nu văd foarte bine. Felix, ai cuvântul, te ascultăm cu mare interes. Vă mulțumesc mult de tot pentru invitație. Am fost alături de dumneavoastră toată ziua, dar laptopul de la Complutense nu are drive pentru cameră, așa că am stat închis. Acum sunt pe telefon. Je vais la faire en français ou en roumain? Ca să nu... Da? Cum spuneți? Cum preferi, cum Hai? preferi. Nu știu. Spunea Alice. En français? Oui, donc, oui. Donc, merci bien. Donc, en quart d'heure, oui. Je vais vous parler d'une nouvelle traduction de 50 poèmes de Mihai Eminescu qui est proposée par Cintrel Lupe et Tudor Mirică dans une sélection publiée par la maison d'édition dublinoise Ithaca. Il s'agit de poèmes de petite et moyenne taille, issus de différentes périodes de création du poète. Mon étude prend en compte les aspects de la déviation stylistique et lexicale, ainsi que le jeu des équivalences réalisées au moyen des compensations, substitutions et réductions dramatiques. Les procédures de micro-traduction sont moins intéressantes ici, car elles sont déterminées par les raisons de la rime et du rythme. Les deux traducteurs ont choisi des poèmes harmonieux avec une perfection classique de la structure prosodique, et même si leur message et leur imagerie sont généralement romantiques des poèmes, pas des traducteurs. Dans le préambule du volume, les traducteurs disent: les signataires de cette édition ont été successivement proches en tant qu'élèves du même collège, puis étudiants et amis à l'Institut d'architecture de Bucarest. Cette incursion génétique me semble pertinente, car une traduction en quatre mains est à bien des égards similaire à un mariage réussi ou non, selon le niveau de communication des consorts. Le palmarès des deux comprend 630 poèmes de 60 auteurs roumains classiques et contemporains, et s'y ajoutent 850 traductions de 73 auteurs français de toutes les époques, ainsi que l'intégralité des poèmes, testaments et ballades de François Villon. Donc, nous avons non, un tandem formidable. La traduction prosodique est davantage axée sur la récréation de la musicalité que sur les types d'équivalences les plus courants. La rime, le rythme, le mètre, les inversions, les métaphores et un mot. Tout le bagage stylistique permet de parler de intraduisibilité. L'intraduisibilité ne signifie pas capitulation. C'est un repositionnement des données originales dans une équation textuelle qui doit essayer de se rapprocher tangentiellement du texte source. Les traducteurs ne peuvent pas assumer la position de réalisateur et qui n'utilisent le texte original que comme prétexte pour leur propre scénario ou pour une traduction intersémiotique, c'est-à-dire dans un autre registre de signes. À ce sujet, Paul Ricoeur dit que des plages d'intraduisibilité sont parsemées dans le texte qui font de la traduction un drame et du souhait de bonne traduction un pari. Bon, dans ces conditions, les traducteurs de textes à cadre prosodique doivent eux-mêmes être au niveau technique d'un poète dans ce domaine. Et vient ensuite la question du contexte. Lequel contexte est en constante évolution, comme le prévient Cocher. Donc, la responsabilité est très grande, car la traduction sera la carte de visite de l'écrivain dans un espace linguistique étranger. Une traduction défectueuse ou déformée est sûre d'aliéner le lecteur qui entre en contact avec elle. Une traduction publiée n'est donc pas une blague, car elle peut avoir des effets négatifs terribles. Les traducteurs doivent réviser leur travail
sur une longue période et ne pas se précipiter pour le publier. Et donc, je vais entrer maintenant dans la substance même. Par exemple, le premier poème traduit est « Ces doresti aussi et dulce Romanie ». Ce que je te dédie, « Ma douce Roumanie », c'est la traduction. Dès le titre, on peut constater un rétrécissement de la portée sémantique du verbe avec des implications du lien sentimental du poème avec sa patrie. Et puis en avant, « Bratele nervoise arma de perie », puis que va faire « Que de bras nerveux, l'arme de l'énergie ». Donc la traduction ressent le besoin de préfixer la conjonction « que », ce qui entraîne un changement de rythme et de mesure. En remplaçant l'attribut du nom prépositionnel de « déterrier » par l'attribut « l'énergie », on obtient une modélisation lexicale, mais aussi un remplacement de le fait par la cause. Dans le verset « L'atre cutut mare, mare viitor »« À ton grand vécu, en plus grand avenir » et le remplacement du substantif « trecut » par le participe « vécu » a pour effet inverse d'archaïser et d'anoblir. Une tendance à anoblir le message est également visible dans la traduction du substantif « fi » par « dauphin ». « Dacă fiți mândri, astele nutresc » devient « si t'es fier, dauphin, le souhaite ainsi ». L'effet, non, n'enlève rien au message, c'est acceptable. Plus important encore, la traduction ne parvient pas à rendre la forme archaïque du pronom démonstratif « aste ». Mais peut-être que cet effet anoblissant signifie une approche familière pour les publics francophones, celui de France, pas de colonie, bien sûr. Dans la troisième strophe, une sensation physique est remplacée par un mouvement spatial. Dintre qui nous neacă va être ici des tortures qui s'épanchent. Bon, ce n'est pas grave, pour ainsi dire. Et puis nous avons cugetări le sermanului Dionis, cogitation de l'humble Dionis. Une solution intéressante se trouve dans la deuxième strophe du poème sur la pauvreté abjecte d'un poète. Un regat pentru o țigară, s'umplu norii de zăpadă cu chimere, dar de unde? Et la traduction, un royaume pour une seule clope pour combler les nuits de neige, de chimère, mais que dalle. Donc, bien, que dalle est une locution adverbiale et Larousse l'indique comme ayant une origine inconnue, et bien que certaines recherches la fassent dériver du breton, d'autres du romani, mais l'important est que la traduction atteint une localisation parfaite ici, non, idiomatique. Bon, il... combien de minutes? 5. À ne pas vous accabler. C'est 8 minutes. 8, oui, bon, très bien, merci bien. Donc, Flore albastre, fleur bleue. Et ici, la deuxième strophe compense le rythme et la mesure. Și câmpiile asire, și întunecatea mare, va devenir toutes les plaines élysées, sombre mer et ses chimères. Donc, l'opération est risquée, car elle suppose qu'il y aurait plusieurs paradis en parallèle. Non, nous avons tous le pronom ici, mais pour les Grecs anciens, plutôt Hadès avait plusieurs couches, pas le paradis. Et dans la troisième strophe, cependant, il y a une sous-compensation de la même équivalence prosodique. Pyramidele învechite urcă în cer vârful lor mare. Donc, pyramide obsolète montent vers le ciel leur cime. L'image est grandiose et contrefactuelle car la plus petite partie d'une pyramide est exactement son sommet. Donc, exactement, cette image se perd dans la traduction. Nous avons ici « Privesc orașul furnica », « Je mire la ville fournière ». Un changement de registre propose la traduction lorsqu'elle remplace un terme sans sursignification. Non, le terme est keep
par masque. Pe stradă largi, cu multe bolți, cu câte un chip la stradei colți. Va deveni sur large rue de voûte tendue. Et ici, nous avons faute frumoase d'idée, le prince charmant du tilleul. Dès le premier vers, le traducteur fait abstraction des accessoires du poème en remplaçant le substantif leagăn par naissance. Blanca află că din leagăn. Et Blanca sache que de naissance. La charge sémantique reste la même, mais la fonction poétique est mise à l'écart. En guise de compensation, la ligne suivante pratique une intensification qualitative. Domnul este al tău mire, Dieu est ton mari louable. Bien sûr, Dieu, en tant qu'époux, n'a pas besoin de support adjectivant, mais la traduction de la prosodie s'oriente souvent vers des solutions pléonastiques. Et par exemple, je vais sauter un petit peu. Et le dernier vers de ce quatrain, qui est la deuxième strophe, apporte à la traduction une impregnation éthique inexistante dans l'original. L'original dit « Mântuirea feței mele » et en traduction « Le salut de mon désastre ». Donc, dans le même temps, une métaphore métonymique et d'une élégante simplicité est sacrifiée. Et je voudrais... fermer ma présentation avec quelque chose de plus intéressant. Par exemple, nous avons le poème Ai nostri tineri, nos jeunes. Et ici, le dernier vers du quatrain apporte une localisation inspirée. Ei toată ziua bat de-a lungul podul, que devient en traduction le jour entier, au champ, leur vie se passe. Podul, dans l'original, peut faire référence à la célèbre région de Bucarest, Podul Mogoșoai, où le bon monde avait l'habitude de se promener dans leur carrosse, mais il peut aussi faire référence à une artère centrale de l'époque où il était, non, ces artères construites avec des poutres en bois. Ce n'est donc pas un pont, un pod en tant que tel, ou est-ce quelque chose de plus qu'un pont? Il était naturel qu'en traduction pont devienne non champ, hein, peut-être champs-Élysées. Donc toujours une promenade centrale. Sauf que l'expression au champ signifie aussi rendre les honneurs militaires dans le sens de battre le tambour ou sonner le clairon. Donc une situation de cérémonie plutôt bruyante. Mais n'oublions pas que champ est aussi le titre d'un poème de Victor Hugo, tiré de l'art d'être grand-père. En outre, Auchamp est une nouvelle de Guy de Maupassant, et en chant Auchamp est également une nouvelle d'Émile Zola. Donc, nous avons ici une polysémie presque infinie et un peu risquée. Et non, en conclusion, en attendant la finalisation de cet article, je vous laisse tirer vous-même quelques conclusions non, partielles. Je vous remercie de votre attention. Mulțumim foarte mult pentru comunicare și pentru încadrare. După cum spuneam, întrebările le rezervăm pentru mai târziu. Între timp văd că s-a conectat, a reușit să stabilizeze.